Bonjour, il y a trois choses à ne jamais faire avec ces lunettes. La première, c'est de coller les vis. Quand vous avez une vis qui se desserre, vous venez nous voir, on la resserre, on fait en sorte qu'elle ne se desserre plus. Mais surtout, ne mettez pas de colle. Pour la première raison, c'est que ben, si on a besoin une fois de démonter la vis, on ne pourra plus. Et d'autre part, il y a 9 chances sur 10 que vous en mettiez sur les verres et sur la monture. Et là, ça ne part pas, on ne peut rien faire. Hein, toutes les bavures qu'il pourrait y avoir sur le verre et autres, ça serait fichu. Donc venez nous voir, c'est tout simple, mais ne les collez pas vous-même. Ensuite, oui, j'ai eu aussi le cas cette semaine d'un monsieur qui était venu avec des verres tout opaques, qui était devenu tout opaque, et il avait vu un tuto sur internet où on pouvait retirer les rayures avec de la mousse à raser. Et ben voilà. Résultat, tous ces tutos sur des chaînes qui sont non spécialisées sont là pour faire de l'audience et ne... Voilà, vous êtes content, vous avez cru voir une bonne astuce, je vous comprends, mais non, ne faites pas ça, venez nous voir, on vous dira ce qu'il faut faire. S'il y a quelque chose à faire, en règle générale, malheureusement, sur une rayure, il n'y a pas grand-chose à faire. On nous dit souvent, oui, mais Carglass, hein, quand il y a un impact, mais oui, mais Carglass ne le fait pas quand c'est dans le champ de vision. Donc, avec des lunettes, vous imaginez bien que le champ de vision, il est là. Et c'est quand même... important de savoir tout ça. Ensuite, quand vous retirez vos lunettes, retirez-les, si possible, à deux mains, hein, comme ça. Si vous vraiment vous le faites à une main, essayez de les retirer vers l'avant, parce que quand on vient avec une branche, je m'approche, qui peut être comme ça ou comme ça, on sait, nous, que vous êtes droitier ou gaucher. Hein? C'est-à-dire que si je retire mes lunettes tout le temps comme ça, ben je vais écarter tout le temps la branche du côté opposé où j'ai ma main. Voilà, c'est tout bête. Mais c'est trois petites astuces qu'il ne faut pas faire, il vaut mieux venir nous voir, ça fait partie du service après-vente. Et en plus, on est content de vous offrir un nettoyage complet des lunettes, donc il ne faut pas hésiter. Je vous dis à très bientôt chez Atoll. Allez, au revoir.